Diop, Melvin Barre, Diop encore, la prise de balle de Diop, le retour de Barcola dans le dos du numéro 10. À droite, à gauche, pardon, avec Diop, l'appel de Thuram. Diop, Sono Koumbédi, Sofiane Diop, déclenché aussi l'attaque et l'accélération niçoise, le centre de Diop, ça va jusqu'au deuxième poteau. Ça, il a pu se retourner, Thuram, décalé. Diop, Diop intérieur. Double contact, Thuram, c'est une passe, la frappe. Là. Entre avec Diop, la prise de balle de Diop, les relais. Alors, ouais, complètement inhibé un petit peu, je sais pas, par forme de pression, par le contexte, par je ne sais pas, mais on ne veut surtout pas que l'erreur vienne de soi. Qui avait été vraiment très touché par la défaite du week-end dernier. Idée de sortie de balle, de pressing, de transition. Là, il est tout seul, Sofiane Diop, beaucoup d'espace pour avancer, pour attaquer, pour fixer, pour centrer la reprise. Ici sur Prime, un dimanche 100% Prime Vidéo pour la Ligue 1. Vous branchez dès midi 40. Ou avec Sassuolo, c'était pas du tout le même genre de sortie de balle. C'était bien différent en partant du gardien du Lalo. Sur Diop, de Kefren Thuram. Sofiane Diop, en retrait. La frappe du pied gauche. Ah, ça a frétillé entre la 45e et la 50e. Avec Diop. Sofiane Diop. C'est une belle heure passée lors de ses débuts à Lyon, rappelez-vous. Sofiane Diop. Le décalage pour Sofiane Diop. Diop face à Koumbédi. Et peut-être le dernier ballon à jouer pour Sofiane Diop. Ça partira d'une récupération.